<applause> سبحان الله نحمد الله لا اله الا الله سبحان الله نحمد الله لا اله الا الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ايها الاحباب الكرام الله سبحانه وتعالى جي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم nous devons avoir confiance en Allah subhanahu et ce en toute situation et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit une situation difficile ou que nous soyons dans l'aisance. même le bukhari nous raconte l'histoire, un ange a été envoyé à trois personnes éprouvées, un lépreux, une personne qui était chauve et un aveugle. Et quand l'ange arrive chez le lépreux, il lui dit « qu'est-ce que tu aimerais ?» Il répond « j'aimerais avoir une belle peau » et par la grâce de Allah, il lui donne une belle peau, il lui dit « qu'est-ce que tu aimerais comme richesse ?» Il lui dit « j'aimerais avoir des, des chamelles », il lui donne une chamelle pleine. Ensuite, il va rencontrer la personne chauve. Qu'est-ce que tu aimerais J'aimerais avoir une chevelure. Il lui donne une chevelure par la grâce de la ta'ala. Qu'est-ce que tu aimerais comme richesse Il lui dit J'aimerais avoir une vache. Il lui donne une vache pleine. Et le troisième, qui est l'aveugle Qu'est-ce que tu aimerais J'aimerais avoir la vue. Et il lui rend la vue par la grâce de la ta'ala. Et qu'est-ce que tu aimerais comme richesse J'aimerais avoir un mouton. Tout cela n'est qu'une épreuve, bien sûr. Et les trois ont vu leur troupeau se multiplier par la grâce de la SPN. L'ange revint tout d'abord chez le lépreux et lui demande la charité, lui demande de l'aide. Le lépreux refuse et lui dit, ne serais-tu pas celui qui était lépreux et qu'un étranger est passé et lui a donné, euh, l'a soigné d'abord et l'a enrichi. Il répond non, je suis un fils de Seigneur. Et ensuite, l'ange fait une invocation et dit, si tu mens, je demande à Dieu de te rendre dans la même situation dans laquelle tu étais. Ensuite, il va voir le chauve qui a la même réaction, il lui dit la même invocation, si tu mens, puisse Allah te faire revenir comme tu étais. Ensuite, l'ange se rendit chez l'aveugle et lui demande de l'aide et l'aveugle accepte et lui dit, écoute, j'étais aveugle, Allah m'a rendu la vue et j'étais pauvre, il m'a rendu riche, prends ce que tu désires. Et l'ange, voyant la belle réaction de cet homme, lui dit, garde ton bien, Allah l'a agréé et manifeste sa colère contre les deux autres. Qu'Allah nous protège de sa colère et nous accorde sa satisfaction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.